thirsty. Eh oui, on a soif, on est de retour. Ah oh non, j'ai encore oublié. Oh. Oh, c'est chiant. Bonjour et bienvenue pour la survie du week-end qui est buggé. En parlant de bug, on va faire une petite parenthèse. En parlant de bug, j'ai tweeté les problèmes. En fait, c'est vrai que j'en avais un peu marre. En gros, j'ai tweeté le développeur en chef du jeu, je crois bien. Et j'ai dit que, bon, j'adore le jeu, ça fait plusieurs années que j'y joue et tout ça, machin, patin, couffin. Ce qui est vrai, hein, et je supporte le jeu le plus que je peux à chaque fois. Je dis toujours que c'est un très très bon jeu. Non, c'était comme ça. C'est un très bon jeu et tout ça, et ça vaut vraiment le coup. Mais j'ai quand même rajouté, je dis que... Il y a toujours des problèmes en fait avec les mises à jour. Et j'ai dit en fait qu'il y a toujours des petits bugs. Bon, ce qui est normal, il y a beaucoup de jeux qui ont des bugs. Mais ce sont des bugs en fait qui sont facilement remarquables, trouvables. Genre avec à peine une heure de test. Donc j'ai mis ça parce que c'est vrai que dans un sens, je me dis putain, mais. Tu vas me dire qu'il y a personne qui teste leur jeu, comment ça se fait, tout ça. Ben, j'en ai déjà parlé, ça c'est un peu étrange, hein, on va dire. C'est un peu légèrement étrange. Ah, le mec m'a répondu genre une minute après. il m'a dit, il m'a envoyé un lien où c'est que, en fait, sur leur site, il faut mettre les bugs sur leur site. Donc, ah, on a deux cordes, waouh, ok, on va prendre une corde. Il faut aller sur leur site, ce qui est honnêtement embêtant, parce que il suffirait d'avoir une ou deux personnes qui regardent le forum de Steam de temps en temps. C'est The Long Dark, hein, c'est pas genre... C'est pas Death Stranding, c'est pas Final Fantasy VII Remake. Il n'y a pas autant de va-et-vient de gens qui jouent à The Long Dark à d'autres gros jeux AAA. Donc, suffit d'une ou deux personnes qui regardent le forum de Steam de genre tous les jours, une heure ou deux heures, et ça suffit, quoi, pour voir les bugs. Mais bon, eux, ils veulent qu'on aille sur leur site et tout ça, donc c'est chiant. Honnêtement, moi, ça me fait chier d'aller directement sur leur site. Parce qu'il faut faire un... Il faut se log et tout ça. Il m'a envoyé ça et il m'a dit, et il a mis quand même à moi en disant qu'on teste toujours nos mises à jour le plus possible, enfin dans les mesures du possible et tout ça. J'ai pas envie d'être méchant, mais on est à peine à... Ah, c'est pour ça que j'ai eu peur la dernière fois, j'avais vu 10 kilos, je me suis dit, putain, mais ils ont... je l'ai pas dit, mais dans ma tête je me suis dit... 10 kilos, ils ont changé le poids de la corde, parce que 10 kilos, c'est énorme quand même. En fait, non, c'est parce qu'on en avait 2, j'avais pas vu qu'il y avait écrit 2. Donc ça va, on est que à 5, donc ça c'est bien, on est en dessous des 40. On a la lampe en plus, bon, on n'a pas à manger, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est bon. Donc on va repartir, comme j'ai dit, on va repartir avec la corde, hein, juste au cas où, parce qu'on a 2 cordes de toute façon. Donc on va repartir avec la corde, est-ce qu'on a d'autres choses à prendre? Va peut-être déposer des massettes. Parce qu'il y a plein de massettes en fait dans Ash Canyon à récupérer. Donc c'est pas comme si on allait en avoir besoin. Enfin, on allait en manquer, vous voyez ce que je veux dire. Et on en a ramené au moins 50. Donc, par contre, les plumes, on va les prendre. Après, est-ce qu'on va prendre les peaux? Non, on va chasser là-bas. Ouais, on est bon. Charbon, on va en prendre 2 de plus. Très bien, très 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 bien. Ouais, on est bien. On est bien, on est bien. Donc voilà, je sais pas. Pour moi, je... Il y a aussi un problème avec... Alors je sais pas si vous voyez bien, je sais que c'est un peu sombre. Mais là, il y a du bois. Et vous voyez que des fois, je peux pas... Genre j'appuie là. Et il n'y a pas le... Comment dire, le prompteur pour dire de ramener un objet. Et beaucoup de gens en fait se sont plaints aussi de ça. Apparemment, il y a eu une mise à jour, je sais pas, de Unity, enfin c'est le moteur du jeu, hein, de Unity ou un truc comme ça. Et apparemment, ça rendrait les objets qui se superposent en fait extrêmement compliqués à être récupérés. Donc, genre par exemple, là j'arrive à récupérer ça. Alors je vois pas pourquoi il est en dessous. Il est complètement en dessous. J'arrive pas à prendre les bouts de bois, là. Ça y est. Un seul. 4, 5. Voilà, très bien. On n'est pas full vie. Est-ce qu'il fait très très froid ou pas? Ah, il fait très très froid. On va dormir. On va encore dormir.
attendre 2 heures. Donc ouais, je sais pas, j'ai un petit doute. Je veux pas être méchant avec les développeurs encore une fois, hein, parce qu'ils font un travail superbe sur le jeu à chaque fois. Comme je dis, hein, je suis un ferveur défenseur de The Long Dark, mais je sais pas, j'ai des doutes des fois sur la qualité des tests en fait qu'ils font. J'ai des gros doutes. Parce que pour trouver des bugs aussi rapidement quand même. Mais enfin, c'est comme ça. Donc nous sommes repartis. C'est quoi ça là-bas, un cerf ? Donc nous sommes repartis. Donc on a trouvé une autre entrée pour le canyon des cendres. On va dire que c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de corde à prendre. Par contre, c'est un problème, c'est que vous arrivez en fait sur une zone extrêmement déserte. Donc c'est assez dangereux, je trouve. Je trouve que c'est assez dangereux. Donc ouais. Et après bon bien sûr il y a des loups, il y a même un élan et tout. Donc c'est un peu problématique. On a bien tout hein. Ouais. Comme j'ai dit, on a gardé la lampe parce qu'on va sûrement trouver une grotte. Enfin, une mine. On est à la recherche d'une mine. On avait vu qu'il y avait, il y a 2 épisodes, on a trouvé un écrit parlant d'une mine. Alors, là, on avait un loup. Un ours, pardon. J'ai envie de voir si on peut quand même se réchauffer ici. Je crois qu'il est à l'intérieur. Vous entendez? Vous croyez qu'il est en train de dormir? Normalement, ils ont pas d'animation pour dormir. Mais on l'entend. Attends, attends. Est-ce qu'il dort? Il dort. What? C'est une animation qui... Il est couché là. Ok. Bon, on va partir. C'est la première fois que je vois ça. Un ours qui dort. Ouais, il a l'air d'être complètement couché et il bouge pas quoi. Et il ronfle. C'est nouveau ça. Bon, par contre, du coup, on a froid. Ouais. Si on tremblait pas, honnêtement, je l'aurais attaqué. Je l'aurais complètement attaqué parce qu'on était vraiment bien positionné. C'est à droite. Attendez, c'est à droite, vraiment. Ravin des échos. Ouais, c'est à droite. On était vraiment bien positionnés.
pour le combattre, donc je l'aurais attaqué si on ne tremblait pas. On va essayer de se... Quand on est dans le canyon des cendres, là, on est vraiment, genre, très protégé par ça, par exemple, enfin, par les rochers et tout ça, enfin, par les montagnes, pardon. Et on va faire un feu, je pense, pour se réchauffer. Ah, on y est. Vous avez vu les cailloux qui volent? C'est pas mal, hein. Parce que sinon on va avoir du mal à se déplacer s'il fait aussi froid. C'était intéressant de voir cet ours. Canyon des cendres. Au moins 11, ça va. Il nous faudrait peut-être un peu plus de bois. J'aurais dû... un peu plus de bois, s'il vous plaît. C'est pas énorme ce qu'on a en fait. Je cherche un endroit. Faut que je remonte. Histoire de se réchauffer. Tu fais combien? Non, on se touche. Bon, on a sprinté et tout ça, c'est vraiment pas le top. On va se mettre là. Bon, là, c'est pas mal. Voilà, très bien. On va se réchauffer, on va faire cuire des boissons. Et on va y aller. Enfin, faire cuire, faire chauffer, pardon. Ah, très bien. Voilà, bien, bien, bien. On va déposer ça. On va faire ça, de l'eau. Très bien. Plus 13. On va récupérer ce qu'il y a en bas. Les baies et les... Je crois qu'on avait vu des champignons. Ah non, peut-être qu'ils étaient un peu trop loin, les champignons. Mais en tout cas, les baies, on va les prendre. Les massettes aussi. Très bien. Ah oui, champignons. Voilà. Ça c'est bien ça. Là-bas, il n'y en a pas. On va un peu analyser la map aussi, la carte. On va regarder où on va aller. Oui, ça va, t'inquiète pas.
On va peut-être même dormir à côté du feu, genre une heure, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu fatigué à sprinter partout. On va voir. Voilà, très bien. 4 minutes. Ça c'est 15, ça c'est 15 aussi, on va attendre. Alors on fait voir un peu la map. Alors nous on vient de là, est-ce qu'il faut qu'on dessine? Ah oui, peut-être faudrait qu'on dessine encore. Eau potable, eau potable. Est-ce que c'est protégé là ou pas? J'ai l'impression qu'on est protégé. Ou alors il n'y a pas assez de vent. Je sais pas. Dans tous les cas. Hop. On a combien? 3 et 3. Ok, ça suffit. On va faire de l'eau maintenant. Je comptais dormir, mais c'est vrai que s'il fait froid. Ça a pas l'air de souffler le feu en fait. Donc bah dans l'ensemble c'est pas si mal. On va les garder. On va dormir. Une heure. Ah, faut qu'on mange un peu des massettes et faut qu'on prenne l'été et après on va partir. J'ai pas vraiment envie de. Ah bah le vent s'est calmé, ça va. On a perdu l'eau, c'est bien. Là on est bon, on est. On a perdu quoi? Un quart, on est à peine midi. Ouais non ça va, on peut sprinter, tout ça, ça va, c'est bien. Alors, on a la corde sur nous. Je pense que vu que bon, apparemment ici on peut plus rien faire, hein, de toute façon. On n'a pas trouvé d'entrée, de quelque chose de spécial, rien du tout. Il faudrait aussi qu'on puisse sélectionner le nombre de genre d'objets qu'on peut manger. Genre pour les massettes, genre en manger 5 d'affilée. Un peu comme genre dans Dark Souls pour utiliser les âmes. Dans les premiers jeux, il n'y avait pas ça, puis après ils l'ont rajouté. On pourrait faire pareil. Mais d'abord, on doit aller poser donc notre corde, parce que bon, 5 kilos comme ça sur les fesses gratuitement, c'est un peu relou. Donc on va faire ça. Donc on rentre tout simplement. De toute façon, on a, comme j'ai dit, on n'a rien trouvé de bien spécial ici. On va regarder là, parce que nous on est ici. Donc on a vu que bon ici on a la cabane qui est en hauteur. Là on a une corde, mais on peut pas. Il n'y a pas de corde. Enfin, il y a un emplacement, mais il n'y a pas de corde. Après, on avait vu qu'il y avait une corde en haut là. Donc je pense qu'à la limite, il faudra trouver un chemin ici, descendre sur la cabane et après mettre une corde ici. Je crois que ça va être comme ça. Là il n'y a rien, là il n'y a rien. Là il y a la chute d'eau, là nous on est monté. On aurait dû dessiner l'entrée. On devrait peut-être dessiner le changement de zone, comme ça on l'a sur la map au moins. Normalement, on devrait l'avoir sur la map. Ok, parfait. Parfait, parfait.
Fait pas extrêmement froid, on va boire un thé, on va être bien. Hop, hop. On va même boire deux thés. Allez, on y va. Voilà, comme ça on est bien chaud. Voilà, très bien. Voilà. Maintenant, on ressent moins 3. Très bien. C'est du bon boulot. Donc la dernière fois, on avait vu un élan dans cette zone. On avait vu 3 loups. 2 ou 3 loups, on les a tués. Ça veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc faut faire gaffe. Je pense pas qu'on ait besoin de dessiner un peu plus ou pas, parce que je crois qu'on a fait toute la zone là honnêtement. Surtout quand on était en hauteur. On a vraiment bien cartographié. Donc ça devrait bien se passer. Là il y a un cerf. Nous, on va continuer sur le côté gauche. Très bien. Je parle un peu moins parce que j'écoute les bruits des pas. L'élan devrait pas être très loin, je pense. Ah, je crois que c'est lui là-bas, non? On voit les cornes qui dépassent, enfin je crois. Par contre, évidemment, brouillard. Fait chier. C'est embêtant parce qu'on peut plus dessiner du coup. Peut-être un chemin, ça. Ça m'a l'air un peu... non. Non. Non, non, non. Ce n'est point un chemin. On va rester en hauteur parce que je vois rien du coup. Donc je préfère... Ah, on voit le pont. Bon bah du coup on descend là. Les corbeaux qu'on entend c'est sûrement au-dessus des deux cadavres. Enfin des carcasses de loups. Qu'on a tués précédemment. Donc je vais dire qu'on peut être... positif sur le fait... qu'il y ait pas mal de brouillard dans cette zone. Ok, je vais dire ça. Cric brisé. On est dans une autre partie. On est dans une autre partie de cet endroit là. De cet endroit désolé. Oh, des bois parfaits. Oh, je voudrais bien pouvoir dessiner. On va essayer de trouver un...
On va essayer de trouver un endroit pour dormir qui est près d'ici. Parce que je voudrais bien le mettre sur la map en fait. Ah, vous avez vu maintenant qu'on coupe ça. Ah non, si, ça fait toujours ça. Non, ça le fait toujours. J'ai cru que c'était du charbon. Elle va pas vouloir. Ouais. Bon, elle a pas l'air d'avoir de chemin, hein, de passage, rien du tout en hauteur. Non. Bon, on a déjà des bois pour faire des flèches, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est ce qu'il nous fallait, honnêtement. Parce qu'on a trouvé des têtes de flèches et tout ça. Donc on va pouvoir ranger ça. On a plein de bois. On a plein de bois. Donc du coup, je me suis trompé de chemin. Je me suis complètement trompé de chemin. On n'est pas au bon endroit. Ça, c'est encore un autre chemin. Là, 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 là. Moi, je suis pour l'exploration, mais... On est un peu à 47 kilos, quoi. Ouais, parce que... Non, nous, on avait une cascade. Nous, il y avait une cascade avec un arbre et tout ça. Donc, c'est pas là. Bon, on va quand même un peu avant. Quand même un peu avancer. Hein. On est là pour explorer. Par contre, on est un peu lourd, donc si jamais on doit fuir quelque chose, ça va mal se passer. J'ai envie de... Il n'y a pas de... Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'insigne qu'on peut mettre pour dire... genre, à fouiller. Vous voyez ce que vous voyez? Parce qu'il y a écrit fouiller, il y a écrit... Il y a écrit tout ce que vous voulez négativement, mais il n'y a pas positif, en fait. Genre, à explorer, un endroit à explorer, par exemple. Il n'y a pas de symbole comme ça. Ou alors, je voudrais bien pouvoir écrire, moi, directement. Mieux passer par là, ouais. Comme ça on est en hauteur, parce que vu qu'on voit déjà rien. Oh, vous pensez pas qu'on... Pensez qu'on est... Vous rappelez le tout premier épisode? Où on était en hauteur avec des bois comme ça, des arbres qui étaient couchés, qui faisaient office de pont. Pensez qu'on est là. Charbon, ça veut peut-être dire que... Peut-être une grotte. Ah, encore des bois. J'ai loupé ça aussi. J'ai tellement envie de poser la corde. Non, je crois qu'on est dans un cul-de-sac. C'est pas un cul-de-sac, ça? Bon, si c'est un cul-de-sac, c'est cool. Bon, j'aurais bien voulu le mettre sur la carte.
Non, c'est peut-être pas un cul-de-sac, je pense qu'on peut passer. Non, on va arrêter de ramasser des choses parce que là... Allô? Je voulais plus avancer. Je pense que c'est là. Hein. Oh waouh. Ah ouais, ça fait une bonne grotte ça. J'ai peur qu'on tombe sur une sorte de tanière de loup, d'ours ou de je sais pas quoi. J'ai tellement peur de ça. Il y a un truc. Je pense avoir... Je pense avoir entendu des galops. Ou alors que c'est elle. Je suis pas complètement sûr. On va devoir s'arrêter et faire un feu. On va devoir même dormir, je pense. Où est-ce qu'on est ? Ah si, ça doit être là. J'ai l'impression que ça... Je pense que c'est ça. C'était l'endroit où on était. Non ? Moi je pense qu'on est en dessous de du début du premier épisode. Oui oui, chut. Écoute, écoute. Cela si on tombe nez à nez contre un gros truc on va passer un mauvais quart d'heure là. Faut qu'on reste chaud aussi pour pas trembler. On entend pas mal de loups. Ça a l'air d'être le même type de grotte. Alors on n'aura pas chaud à l'intérieur. On n'aura pas chaud, mais on peut passer la nuit ici. On peut passer... Je pense qu'on va passer la nuit ici. Comme ça, on va pouvoir... dessiner quand on sortira. Parce que là, ça devient un peu trop... Un peu trop problématique pour se déplacer. Alors, attendez, on va changer ça, mettre ça là. Ça. On est à 36 kilos, ah, très bien. Ah, parce que là, ça devenait un peu relou le poil. Avec tout le bois qu'on a, on peut faire un feu qui fait pas mal d'heures. Là, c'est devenu rouge, elle commence à être fatiguée. On entend beaucoup de loups aussi. Ok, bon, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Est-ce que... Non, on est d'accord que... Ouais. Et on va faire un long feu pour pouvoir récupérer aussi pas mal de charbon.
On va voir un peu là-bas ce qu'il y a. What? Ok. Elle disparaît devant moi, d'accord, sympa. Ah, il faisait chaud! Comment j'ai récupéré de la chaleur? Ah non, peut-être qu'elle avait pas encore froid. Non, c'est moi qui deviens fou. Bon, maintenant on a compris pourquoi ça s'appelait Canyon. Hein? Je crois que on a bien compris pourquoi. Ok. Ok. Voilà, de toute façon, j'avais pas vraiment envie de, de sortir sur une zone ouverte comme ça. Dans le brouillard. J'étais pas vraiment d'humeur. Hein. Donc ça m'a directement mis d'accord. Donc on va faire un long feu. Genre une dizaine d'heures si on peut. Ah non, c'est là qu'on... Regardez-moi ça. J'avais pas rêvé. C'est pour ça aussi qu'elle est plus lente là. Là on dirait qu'on est à l'intérieur d'une grotte en fait. Et après là on est à l'extérieur. Ah merde, du coup on pourrait dormir là. On n'aurait pas froid. Mais bon, oui, c'est super exposé en fait. Au loup et tout. Donc ça c'est notre grotte. C'est super exposé, donc on va la jouer safe, on va faire un feu. Je pense que c'est quand même un peu mieux. Et un truc qu'on va faire aussi c'est prendre ça. Je retourne sur les pas vite fait pour prendre des bois. Est-ce qu'on a un peu loupé? Bon. Bon bah ça va, c'est cool. Pensez qu'on peut grimper là. On va voir. Ouais, un peu étrange leur système de grotte. Je sais pas si c'est intentionnel ou pas. Mais donc elles ont aucune chaleur en fait les grottes. Elles protègent juste du vent. C'est tout, mais il n'y a pas de chaleur à l'intérieur. Alors que là... Non. Alors que là on vient de passer un... Un passage qui est censé être à l'extérieur et qui est complètement ouvert. Il y a juste un rocher au-dessus, quoi. Enfin, c'est fermé quand même. Enfin, c'est pas une grotte, quoi. Ok. Branche. Ah, c'est une branche à l'intérieur de la glace. Et il faisait chaud. Il faisait 19 degrés, qui est énorme quand même. Donc, moins un peu étrange. J'ai envie de dire un tout petit peu étrange.
Très bien, je vais voir si on peut pas. Non, non, ça m'étonnerait. Un peu aléatoire, un peu. Ouais, bizarre. Mais enfin. Ça va, on va se débrouiller. Mais c'est embêtant, c'est qu'à chaque fois il faut. Il faut faire un feu, quoi. À noter aussi qu'on n'a pas trouvé d'allumettes, hein, je crois. On n'a toujours pas trouvé d'allumettes dans cette zone. Donc, il va falloir faire attention. Bon, après, quand même, on peut partir très facilement de la zone, donc c'est pas très grave. C'est pas comme si on était bloqué. Mais j'avoue que j'aurais bien voulu... Non, ils viennent pas jusque là. J'aurais bien voulu quand même avoir... D'abord faire un feu, c'est qu'on commence à avoir un peu froid. J'aurais bien voulu trouver des allumettes. Ou quelque chose. À 6h. 6h et on a encore tout ça, hein, donc ça va. Peut toujours pas. Ah si, ça y est. On peut-être un peu mieux dessiner à l'extérieur. Genre si je me mets un peu en hauteur comme ça. Ouais, ok. Bon, je crois que pour dormir, on va peut-être prendre des tisanes qui remettent de la vie. Peut-être. Alors, attendez, déjà faut regarder ce qu'on veut faire. Donc on a 6 heures de feu. Alors, je repasse ça, mais ça, parce qu'on en a trouvé quelques-uns. Pourquoi pas. Donc on va peut-être en prendre une. Ah, très bien. On va manger des massettes. Pour qu'on reste tout le temps assez haut en calories. Ouais, ça, ce serait bien. Si jamais ils sortent les mods, genre manger 10. Comme ça, on n'a pas besoin de re-appuyer 50 fois dessus. Ce serait cool. Ça serait plutôt sympathique. Est-ce qu'on fait de l'eau? Enfin, l'eau, de toute façon, c'est jamais perdu, honnêtement. On a 2 litres. C'est jamais perdu de faire de l'eau, comme je le dis tout le tour. Hein. Donc, autant en faire. Donc, on va faire ça. Fondre dans 2 minutes. Donc, après, il faut la bouillir. Ça aussi, on va faire ça. Bon, bah, c'est tranquille. On a découvert une nouvelle zone. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on continue vers les loups? Ou alors on rebrousse chemin?
Alors, le côté aventurier me pousse à aller vers les loups. Mais le problème, c'est qu'on a plein de bois. Tout ça, il faut les rentrer. On a la corde aussi. Donc, je pense qu'on va rebrousser chemin. Je pense qu'on va, on va quand même rebrousser chemin. C'est beaucoup mieux. Comme ça, on va pouvoir se libérer du poids qu'on a. Je veux bien combattre des loups, mais quand on est à 45 kilos plus, non. Ah, très bien. Encore 7 heures. On a toujours le buff ou pas? Votre état s'améliore progressivement. Je voudrais bien aussi avoir les pourcentages qui s'affichent. Ce serait bien. Honnêtement, ce serait vraiment cool. Parce que la plupart du temps, moi, pour voir si si la vie vraiment monte ou descend, je mets la flèche. Et j'attends. Mais c'est pas vraiment efficace, quand même, comme système. Ça vous donne... oui, ça vous montre, mais bon. C'est pas vraiment ça, quoi. Un peu embêtant. Très bien. On a 3 de chaque. On va faire un truc comme ça. Comme ça. Enfin, on en a 3, 3 et 2. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre 2 comme ça, genre à côté du feu. Comme ça, ils seront chauds si jamais il fait extrêmement froid et qu'on se réveille et tout ça. Voilà ça. Donc 3, 2 et 2 et les 2 en bas. Pas les 2 par terre, pardon. On peut en faire cuire un de chaque. Voilà. Et on boira les 2 là qui sont par terre. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? On va en faire un. Et on va en boire encore un autre. Ils sont tous à 125. Ouais. Est-ce que je voudrais encore récupérer un peu plus de vie? 6 heures de feu. De toute façon, on n'a pas besoin que le feu fasse 10 heures. Mais je voudrais bien quand même récupérer pas mal de charbon quand on se réveille. On va tout mettre, puis basta. Voilà. On va dormir, commence à faire du vent et tout, mais bon, nous on risque rien, donc ça va. On a un feu qui va pas s'éteindre. Ça on prend, ça on prend, ça on prendra après. On a 35 kilos, très bien. On va manger 2. On a que 5 kilos d'eau, 5 litres, pardon. On va peut-être les déposer, on verra combien ça fait quand on récupère tout ce qu'on doit faire. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? On s'arrête là? Je pense que... Ouais, parce que la dernière fois j'avais fait un épisode un peu long. Cette fois on va faire un épisode un peu plus court. Ça fout un peu les boules en fait cette grotte tellement qu'elle est grande. Je suis pas super fan en fait. On va s'arrêter là. Et la prochaine fois, donc on fait... Donc nous on est là, on va faire demi-tour. Ouais, nous on a pris cet endroit-là, je pense. C'est pour ça que je voulais dessiner.
Ouais, nous c'est là, c'est par là qu'on repart. Donc il faut qu'on essaye de... Ouais, non, ça va. Le chemin est facile, le chemin est super simple. Donc ça c'est cool. Mais il faudrait dessiner. J'espère qu'il fera beau temps et tout ça. Donc on dessine ça. Donc et après on reviendra donc à notre cabane. La cabane pour l'instant ça reste le camp principal où on va déposer tous nos objets. Genre parce qu'il y a l'atelier et tout ça, donc tous les bois et tout. Et après on verra. Voilà, c'est très bien. Bon, c'est l'heure de dormir. C'est l'heure de dormir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Passez une très bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et à la prochaine. Bonne nuit, ciao ciao!